Chaque année, il y a le guide Michelin qui distribue des étoiles. Ben, chaque année, il y a le guide Jean-Michel Cohen, le guide des achats pour bien manger, avec à chaque fois des bons et des mauvais points pour, sur tous les produits qu'on peut trouver en supermarché. Cette année, nutritionniste nous explique pourquoi il faut se méfier, j'arrive, des produits bio, du rayon sans gluten et de la vache qui rit. Jean-Michel Cohen est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Le guide des achats pour bien manger, 700 produits de notre quotidien passés au crible. On va revenir sur les grandes tendances, mais d'abord il y a des produits bien spécifiques que vous montrez du doigt et franchement ça peut surprendre. Par exemple, vous dites le coca, non, mais l'orangina, oui. C'est pas pareil ça ? Non, c'est pas tout à fait pareil. D'abord, il y a deux choses qui interviennent aujourd'hui, maintenant, dans ce type de produit. Il y a quelques années, on regardait simplement les valeurs nutritionnelles. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en calories, en lipides, en glucides, en protéines. Aujourd'hui, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à la composition en ingrédients. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis dedans, quel type de conservateur on a utilisé, quel type de colorant on a utilisé, etc. Et donc là, cette fois-ci, dans l'orangina, il y avait une prime à donner à l'orangina par rapport au Coca-Cola. Ça signifie pas que je recommande l'un ou l'autre, mais l'idée, c'est de dire, chez les gens, c'est plus au contraire tolérant, c'est de dire aux gens, vous avez le droit de consommer tout, mais il y a de temps en temps, à l'intérieur de ce tout, il vaut mieux privilégier certains produits. Le Babybel, oui. La vache qui rit, non ? Pareil. Qu'est-ce qu'elle a fait, la vache qui rit ? À partir du moment où, là, on a un produit qui est simplement du lait pasteurisé, qui a été retransformé par rapport à un produit qui va contenir ou un émulsifiant, ou un émollient, ou un épaississant, etc., on va privilégier un produit qui est beaucoup plus naturel. Le Babybel ? La vache qui rit pas naturellement. Et ça peut se consommer, c'est pas le souci. Mais par exemple, à choisir, voilà, on préfère ça. Je vais donner à mon petit-fils plutôt un Babybel plutôt qu'une vache qui rit. Et le Jupago est à bannir carrément ? Alors, ça, c'est les taux de sucre là-dedans qui énorme. Sont... Pourtant, ça explosent. Paraît tellement sain. Oui, mais c'est ça, justement, le piège de l'industrie alimentaire. Ça veut dire que pour flatter un produit, pour en consommer plus et plus, il suffit de simplement, les deux recettes traditionnelles, c'est rajouter de la graisse ou du sucre, mais on n'y fait pas toujours attention. Ouais. Et puis, ça a les couleurs du bio, ça, hein, le vert et alors le jaune. Ça, oui, c'est et la couleur ça, le à la bio, mode. Voilà. Ça, vous y allez à fond, le bio. Faut s'en méfier. Exemple, le lait d'amande de chez Björg et le jus de pomme pressade. Attention, faux amis. Oui, oui. Par exemple, quand vous regardez, les gens ne regardent pas les compositions des produits, mais sur un produit comme celui-là, on voit qu'il y a de l'eau, du sucre de canne et des amandes 2,8%. Ici, il y a 2,8% d'amandes. C'est-à-dire que dans toute cette boîte, il y a eu 28 grammes d'amandes, soit l'équivalent de 4-5 amandes. Franchement, quand même, quand vous voyez qu'après, on a rajouté des algues marines, etc., quel est l'intérêt d'acheter ce type de produit ? Si vous avez envie de boire ça comme une boisson, ok, mais si vous dites que c'est pour votre santé, c'est pas du tout l'objet. C'est l'emballage qui est trompeur ? Oui, ça s'appelle le marketing alimentaire. Il est assez autorisé et les gens qui sont censés surveiller ça ne sont pas assez nombreux pour pouvoir contrôler tout. Il y a des appellations qui sont scandaleuses. Par exemple, quand on entend steak de soja... Ah bah tiens, il est là, le steak de soja. Mais et le steak de soja, par exemple, ça va être vous dites, interdit. Ça oui, soja sun, mais Herta non. Ce n'est pas les mêmes. Parce que ce n'est pas les mêmes en composition. Et là, on est dans ce qui m'a posé un problème cette année. C'est-à-dire que il y a une montée du végétarisme et bien sûr l'industrie s'est infiltrée là-dedans pour fabriquer des produits tout prêts. Mais sauf que ces produits tout prêts, en fait, j'ai rarement vu des produits aussi mal composés. C'est-à-dire que pour donner la forme et le goût au produit, on est obligé de balancer une tonne de graisse. Et en fait, c'est vraiment, c'est hyper, hyper déprimant de voir ça. C'est-à-dire qu'on se dit... Puis on s'en fiche que ça ressemble à un steak, non ? Ben, c'est pas ça. Déjà, l'appellation steak, elle est très contestée. Les gens de la boucherie veulent l'interdire parce que c'est vrai que c'est pas un steak, c'est une galette de soja et de blé. Et la deuxième chose, c'est que c'est assez contradictoire. Ça veut dire que les gens qui font ça, a priori, ils sont plutôt écolos. Ça veut dire que vous êtes végétarien, souvent ça va avec écologie. Et là, on n'a pas du tout de produits écologiques, parce que végétarien n'a rien à voir avec écologique ou bio. Donc voilà, ça met du piment à ces enquêtes. Et puis on a lu récemment, c'est une association de consommateurs, que les distributeurs en profitaient pour vendre tout ça un petit peu plus cher, tout ce qui est vendu plus cher. Jean-Michel a raison. On est deux fois couillonnés, quoi. Bien sûr. Pourquoi vous voyez à l'heure actuelle autant de gluten free, enfin de sans gluten et de végétariens dans les supermarchés ? C'est parce que c'est bien entendu beaucoup plus intéressant de gagner 50% sur un produit que vous vendez, que vous avez acheté 1 euro, que 50% sur un produit que vous avez acheté 50 centimes d'euros. Donc l'industrie alimentaire, ok, mais il y a d'un autre côté les supermarchés qui sont devenus les promoteurs de ce type d'alimentation qui permettent d'avoir des marges plus copieuses. Alors justement, vous parlez d'autres nouvelles tendances, parmi lesquelles le sans gluten qui a littéralement envahi les rayonnages. Je crois que c'est Djokovic, non, qui a lancé cette mode du sans gluten. Des produits, dites-vous, pas forcément bons pour la santé. Pourquoi ? Alors, pas tout à fait ça. J'ai dit qu'avant, c'était pas bon en termes de goût. En ce qui concerne la santé, on peut manger sans gluten sans avoir le moindre problème et pas de carence. C'était pas bon pour le goût. Sauf que j'annoncerai probablement quand j'aurai les preuves sur la table, je viendrai vous l'annoncer en direct,
comment personne ne s'est inquiété du fait que cette maladie ou cette intolérance n'arrive qu'en 2010 ? Oui. Qu'est-ce qui s'est produit ? La maladie cœliaque. Ben, non, il n'y a pas la maladie cœliaque, c'est une chose, elle est identifiée depuis très pourquoi longtemps. Pourquoi ça a été médiatisé les intolérances au gluten, ouais. Pourquoi ça apparaît en 2010? Et peut-être que s'il y a autant de gens qui racontent ne pas tolérer le gluten, ils ne sont pas si idiots que ça, comme l'affaire du Lévothyrox. Et peut-être que c'est simplement qu'on n'a pas les mêmes quantités de gluten aujourd'hui dans les produits qu'on avait auparavant. Donc j'attends d'avoir tous les chiffres pour expliquer que, par exemple, je vous donne un exemple, je l'ai raconté en loge à Sylvie Vartan. Avant, vous aviez de la farine, quand vous aviez de la farine chez vous, chez vos grands-mères, vous êtes d'accord, au bout de 3 mois, il y avait des mites qui sortaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de mites dans la farine. On est d'accord, il n'y a plus de mites. Pourquoi ? Sauf chez Jean-Michel. Ah non, j'ai pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, on rajoute des insecticides, ou dans la terre, ou dans la farine, ou dans le blé, quand il est à la coopérative. On s'est posé la question de savoir si ce n'était pas ça qui rendait allergique. Le sans gluten, plutôt oui. Les smoothies dont la consommation explose. Bah, c'est n'importe quoi. Là, il faut s'en méfier aussi. Bah oui, parce qu'en fait, ça a l'air innocent, parce que les fruits ont une espèce de vision très, très, très bonne. C'est-à-dire le fruit, mais pourquoi c'est pas bon, Parce que c'est entre 9 et 12 grammes de sucre pour 100 grammes, que quand vous faites un smoothie, que vous avez un jus pressé, vous avez mis à peu près 500 grammes de fruits et que vous avez consommé 60 grammes de sucre, c'est-à-dire l'équivalent de 12 carrés. Donc, c'est pour ça qu'on se bat, nous, en disant les jus de fruits ou les sodas, en fait, en termes de santé, pareil, quoi. Me racontez pas l'histoire des vitamines. Quand vous les faites pas vous-même, les jus de fruits, ils ont été apertisés, pasteurisés, il n'y a plus rien dedans. Je viens de retrouver mon petit panier de commission. Donc, voilà les smoothies. Il y en avait un qui était pas mal. C'était celui-là, je crois. Ouais. Sans gluten. Hein, et cher Pierre. Et les wraps, pour finir, comme dirait notre bien-aimé Régis, les wraps. C'est-à-dire les wraps, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand vous regardez la garniture comme je l'ai fait, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que dans ces produits-là... C'est pas sympa, ça. Dans ces produits-là, vous avez des quantités de saumon qui sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on vous vend un bel emballage, un produit qui peut être intéressant, d'ailleurs. Oui, ça a l'air sympa, ça. Mais c'est pas top. Et ça, ben, désolé, mais ça, c'était un des meilleurs dans le supermarché. Donc, je me souviens de son nom. Et celui-là, à la limite... Celui-là, on peut. Voilà, on peut, ça donne à Babette. Très bien. C'est gentil. Il y a des choses à proscrire, notamment les viandes et les volailles cuisinées. Là, vous dites, dans ce rayon-là, l'étude de ce rayon-là nous a laissé sans voix. Il n'y a rien à sauver. C'est de la viande recomposée. En général, elle a été... alors, on ne sait même pas comment elle a été aseptisée. Ça veut dire si elle n'est pas passée dans des bains particuliers, dans des liquides pour enlever les bactéries ou les microbes. Et puis ensuite, quand vous voyez, c'est une recomposition dans laquelle on a rajouté en général des exhausteurs de goût, du sel et 9 fois sur 10 du colorant. La couleur du poulet que vous avez là-dedans, si on vous servait le poulet au naturel, il serait gris mort, ça serait du poulet mort, ça serait de la viande morte. Donc on a des rayons comme ça qui sont dévastés, où on a le sentiment que les gens, pour acheter vite, ils ont oublié que faire cuire une escalope qu'on achète même sous vide dans le supermarché, ça serait beaucoup plus simple. Et tout ça, ça va jouer sur la santé à long terme. Ah oui? Oui. Le beurre allégé aussi, ça peut être dangereux à long terme pour la santé. Oui, c'est rien, c'est une petite arnaque. C'est, ah oui, c'est juste une arnaque. On fait du beurre avec de l'eau. On vous met du beurre avec de l'eau. Ah oui, je me suis fait. Voilà, on vous met du beurre avec de l'eau. On abaisse le nombre de garanties parce qu'on a mis de l'eau. Et puis, très grave, on se fait arnaquer. Okay, mais vous savez ce qui se passe quand vous mettez sur la tartine? Non, parce que vous en mettez plus sur la tartine parce que le pain va absorber l'eau. Mais bien sûr. Donc, mais ça fait pas de mal. C'est ok. C'est comme si, comme quelqu'un qui vous chippe, je sais pas, un bout de votre croissant dans la rue. Et alors maintenant, nous allons parler du Nutella, si vous le voulez bien, Jean-Michel. Ça y est, le procès arrive. Pas du tout. C'est un produit déconseillé, dites-vous, parce que c'est une cochonnerie. Alors, on a noté hier, dans le Parisien, une publicité de Nutella qui met en avant, je vais les citer, voilà, on voit la publicité, une huile de palme certifiée durable et responsable, 100% tracée jusqu'aux origines pour garantir la non-déforestation. Alors pourquoi vous en voulez encore? Alors j'ai reçu, anecdote, j'ai reçu il y a 2-3 ans à mon bureau des Hollandais qui sont venus m'expliquer l'intérêt que je devrais porter à l'huile de palme et combien je devrais arrêter d'en dire du malme. L'huile de palme, elle me dérange pour deux choses. La première chose, c'est parce que c'est une huile de petite qualité. Elle est très riche dans les acides gras qui vous bouchent les artères. La deuxième chose, c'est parce que les écologistes disent, moi j'en sais rien, qu'en tout cas, l'huile de palme, elle aide à la déforestation. Mais ces gens-là se sont creusés la tête pour dire comment on pourrait faire pour réhabiliter ce qui est notre outil de travail, ce que je comprends. Donc ils ont inventé l'huile de palme durable. Ils vous la mettent en verre et ils essayent de nous faire avaler ça. Je pense que l'huile de palme durable, ça vous semble être une fumisterie? Écoutez, je nous souhaite d'être aussi durable que l'huile de palme. Alors Jean-Michel Cohen, vous donnez aussi des conseils pour bien ranger son frigo. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'on a ici deux frigos. J'aimerais que vous veniez avec nous. Il y a celui de Babette. Ah bah tiens. Et il y a le mien. Moi, c'est le bien rangé, j'imagine. Il est la bonne élève. Exact. Alors, à gauche, on va commencer par celui d'Anne-Elisabeth. Voilà, j'ouvre. Alors évidemment... Oh, c'est la catastrophe.
Évidemment, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? C'est une... Bon, Anne-Elisabeth, bon. Déjà, le vin rouge au frigo, je ne sais pas ce qu'on en pense. Le masque du petit. Les masques, je ne sais pas ce qu'on en pense. Alors déjà, première chose, bon, les œufs, c'est pas mal de les avoir mis au fond, mais ils se conservent plus quand ils sont à l'air que quand ils sont dans un réfrigérateur. Dans l'air ambiant, ouais, quoi. Dans l'air ambiant, parce que l'humidité altère, en fait, le film qui est autour de l'œuf. D'accord. Et donc... Ils se conservent mieux. En ce qui concerne les yaourts, moi, je les mets plutôt du côté où il y a le freezer, parce que c'est vraiment des produits alors, frais, c'est-à-dire ce qu'ils doivent être... À mieux conserver, plus sûr. Haut alors, c'est si ça. Si vous m'y autorisez, on va ouvrir le bon frigo, c'est-à-dire... Ouais, Marion, là. C'est celui de Marion. Non. Oh. Alors, juste un truc, l'erreur, c'est ça, c'est quand vous erreur. Achetez des oui, yaourts... T'as pas enlevé le carton, ça passe plus humain. Pourquoi il faut l'enlever? Moi, je le fais à chaque fois. Parce que ça a été manipulé dans tous les sens, et vous avez des microbes dans tous les sens, donc il faut essayer de désemballer les produits quand on les met dans un réfrigérateur. Mais ça prend du temps d'avoir un frigo impeccable comme ça, Marion? Non. Ça nous a pris 30 secondes, très exactement. En gros, vous expliquez qu'il y a 4 zones, hein, un peu comme chez nous, la zone froide, la zone fraîche, la zone tempérée et la porte. C'est exactement ça. Bon, eh ben, très bien, maintenant vous savez comment ranger votre frigidaire, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.